T'es dans la merde depuis que t'es dans le shit. Tu fumes trop, normal que t'es dans le chute. Laisse-les parler mal. One like en face, y'aura pas d'insulte. On a de quoi te faire habiter dans le sud. Tu chantes mal, on va te niquer dans le sud. T'as des potes dans le foot, j'ai des potes dans le sud. Fais pas le fou, t'es pas le commandant ma soupe. Lago, le boule, magique. Prends le numéro 2, ma suite. Sirote, le sirop, que sirote mon équipe. Allo, allo, j'arrive tout de suite. Tu perds l'équilibre, tu perds l'équilibre, tu perds l'équilibre. Les yeux plus rouges que ton gobelet. Retiens ta langue s'il te plaît. Faudra pas parler javanais. Fidèle, va te boire comme dit Yoplait. Renoir là t'as trop abusé. La gola n'est pas une fusée. Ta carte fait paiement refusé. Carton rouge obligé de déposer. La concurrence va perdre des kilos. Madiba a trouvé sa Gilo. Mes ex n'ont pas fini les JO. Nique les héros des Chiro. Lago, le boule, magique. Prends le numéro 2, ma suite. Tu perds l'équilibre, tu perds l'équilibre, tu perds l'équilibre. Tu perds l'équilibre, tu perds l'équilibre. Tu perds l'équilibre, tu perds l'équilibre, tu perds l'équilibre. Tu perds l'équilibre, tu perds l'équilibre. Wesh l'équipe, comment allez-vous? Comment elle va mon équipe à moi? Vous allez bien? Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un hamburger, comme vous pouvez le voir, avec des frites, mayo, ketchup. Et pour un taco, surtout celui-là, j'ai hâte de le goûter, c'est un tacos fait maison de chez Mac Lice, fast food. Et la crêpe est fait maison, elle est sortie du four et tout. Et les frites fait maison, tout fait maison, toujours. Toujours fait maison où je suis là en ce moment, c'est que du fait maison. Donc c'est parti, on va goûter ça. Oh, désolé s'il y a du bruit, hein. Malheureusement, bon, je vais goûter les frites. Je suis pas trop frites, hein, vous savez. Vous connaissez la chanson. Les frites sont bonnes. La ketchup et la mayo. La mayo est faite maison, la ketchup, je crois pas. Mais les deux sont bonnes. On va goûter l'hamburger, comme vous pouvez le voir. Je vais ouvrir l'intérieur. C'est pas comme à la maison, tu vois. C'est un bon cheddar, mayo, ketchup. Tout est bon. Et tout est frais. Bon, un deuxième croc quand même. Hein. Premier verdict, c'est une tuerie. Franchement, le pain est bon. La viande qui est dedans est bon. Je pourrais pas vous dire c'est quoi. Mais il est bon. On dirait je sais même pas quoi parce que tellement qu'il a fondu, il est passé crème. Vous avez vu la viande comment elle est bonne? Mayo ketchup est très très bon. Le mariage se fait très très bien. Je m'excuse encore pour le bruit. Hein. J'espère que vous m'entendez. Si vous ne m'entendez pas, bah, je le vérifiais. Je le vérifie après. Et je mettrai une musique. Hein. Ça fait plaisir de manger des frites faites maison, tu vois. Tout est frais, frites maison, parce que d'habitude, on a en France, on a l'habitude
Même dans d'autres pays, hein, y en a qui sont sûrs qu'ils le font en France. Même en France, mais où je suis, je sais que les frites sont pas faites maison. Parce qu'ils veulent pas perdre du temps à faire des frites maison. Parce que d'une, parce que ça met du temps, ils disent que ça met du temps à cuire. Et le client ne doit pas attendre. Ouais, mais le client, il veut de la qualité si tu veux qu'il revienne. Tu sais, j'en fais qu'une bouchée tellement que c'est bon. Tu sais, si tu fais les frites fait maison et tu veux pas te casser la tête, le patron va payer quelqu'un qui vient faire les frites fait maison, une maman, un truc comme ça qui a la chaume. Elle va être contente de les faire fait maison. Et toi, tu as juste à faire chauffer un peu plus ta friteuse. Tu achètes une friteuse exprès qui va très très vite pour les frites et c'est bon. Et s'ils le font avec peu de moyens, et c'est nous en France qu'on va se plaindre. Toujours de l'eau, hein, toujours. Bon, on va mettre les frites. Je sais pas où on va mettre les frites. Bon, on va attaquer ça direct. Vous avez vu comment il est? Fait maison, vous voyez, c'est vraiment fait maison. Mmh. Vous voyez? Quand c'est fait maison, il y a ça. Mmh. On trempe avec un peu de sauce. En tout cas, c'est pas tout Charlie tout ça. Bon, si j'ai un conseil à dire, l'hamburger est passé crème. Une curry. Ça vaut pas nos sandwichs au steak. Nos hamburgers au steak, je veux dire. Et tacos, en fait, il y a trop de trucs dans celui-là. En fait, aujourd'hui, c'est une petite journée sandwich un peu partout. Je vais manger un peu partout. Bah, le tacos, je vous le dirai, hein. Ça vaut pas le nôtre. Hein. Ça vaut pas le nôtre hein, en France. Hein. Je sais pas, il n'y a rien qui se marie avec en fait dedans. Je m'attendais à quelque chose de ouf. Hein. Bon, en fait, non. Bon, l'équipe, je vais vous laisser, je vais finir tranquillement. Je pense que la vidéo dure, je sais pas combien de temps. Donc, je vous fais une grosse bise, je vous dis à bientôt. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Je vous laisse ce tacos là en visu. Et je vais finir tranquillement en faisant une bise et je vous dis à la prochaine. Merde, je vous parle en mangeant, c'est pas bien. Je m'arrête, excusez-moi. Bisous, faites attention à vous, on se retrouve pour bientôt. Ok, équipe? À la plus tard, ciao.